法国解放报记者沃勒涵今年十月出版新书，分享蔡英文总统八年执政，这一回他也大谈蔡政府让台湾成为国际议题。Quand j'ai commencé, donc, la première fois que je suis allé à Taïwan en 2015, c'était bon pour la campagne présidentielle, la première pour laquelle Taïwan était candidate et elle a été élue. On parlait pas beaucoup de Taïwan. On avait une vague idée que c'était un truc chinois. C'est une affaire chinoise, ouais, entre Chinois. Entre les deux Chinois. Mais non, c'était pas clair, quoi. Est-ce que c'était une région, c'était un département Et en fait, 8 ans après, on sait qu'il y a un pays qui est une démocratie. Mm-hmm.Qui vit en face de la Chine, qui a très bien géré le Covid, qui a très bien géré aussi les pressions chinoises contre elle.中国进行灰色地带威胁，牵动全球局势，让世界更加关注台湾处境。法国记者沃勒涵坦言，蔡政府不止面向国际舞台，更有效减少对中国依赖。但看到2024大选，国民党狂打战争牌，他这样说。Une fois encore, je trouve que le parti Kanté n'a pas profité de cette élection pour se renouveler. Même dans ses argumentaires, dans cette manière de faire de la politique, c'est les arguments de campagne qui est de dire « Votez pour nous, c'est la paix, votez pour le DPP, c'est la guerre. » Moi, c'est ça. C'est un peu, en termes de, d'invention politique, c'est qu'on soit de, pour ou contre. Si on regarde ça d'un point de vue même extérieur, je trouve que c'est très pauvre. Comme, parce qu'il y a eu DPP pendant 8 ans, il n'y a pas eu la guerre.Effectivement, l'existence d'une démocratie taïwanaise dans le détroit de Formose qui dérange les Chinois. Oui, c'est ça. Avec un système démocratique, avec une alternance même, puisque c'est non seulement une démocratie, une réelle démocratie dans le sens où elle a connu des alternances. Donc, et c'est ça qui la dérange. Et si, je pense aussi, évidemment, qu'elle se rend compte que, de facto, Taïwan est indépendante.Puisqu'elle a son armée, elle a sa propre diplomatie, qui est une diplomatie particulière, une diplomatie parlementaire. Les plus véhéments, les plus agressifs et les plus provocateurs viennent effectivement de la Chine continentale et pas de Taïwan. Taïwan n'a jamais prononcé revendiqué l'indépendance. En tout cas, l'administration de Tsai ne l'a jamais fait. Et elle se garde bien de le faire.沃勒涵表示，台湾在地缘政治中扮演重要角色，台湾2024大选备受国际关注，而选战进入倒数，民进党国际部主任赵怡翔提醒要注意假讯息攻击。境外势力持续的透过假讯息，透过其他的手段来影响我们的民主选举，我想这个是非常巨实而且正在发生的事情。在野党持续散布所谓的战争与和平的论述或者票投民进党就是青年三战场，我想这个不但是这个假讯息的一个散布，我觉得更严重的是会影响，尤其是负面影响到国际对于台湾的认知。从两岸议题到民生经济，赵怡翔强调要持续加强跟民众沟通。事实上，过去几年来，我们确实是有看到相当好的一个政绩表现，包括从我们的人均 GDP 来看，或者是最低薪资来看，我想过去八年都比甚至于比过往在过往的16年的这个绩效都还更加的具有优势。所以简单说，就是蔡英文总统把八年当16年来用，连在外交府部分。这个柯文哲还说要抄袭蔡英文的这个外交路线等等，所以确实是有带来非常大的进步。面对在野阵营打经济牌，赵怡翔强调要以客观理性的论述打选战。我们看到无论是国民党民众党就会常说台湾现在缺电，但是我们看到每天现在任何人都可以登上台电的网站去看到这一刻我们的电力，我们的所谓的备电率是多少，那大家可以看到说这个比过去马英九执政的时候还高，那怎么会有缺电的问题呢？所以很多这些资讯其实都是可以被我所谓的公开资料所打脸的。选战进入最后关头，各方阵营频出招让选情更加紧张。记者吕月琪采访报道。